Grand chanteur, on va faire le banana, on a la diva. Lui-même, Kofi Olomide, il a parlé du 13e apôtre. C'est quoi qui fait que les hommes de Dieu, lorsqu'ils s'approchent d'eux, au lieu que eux changent, ce sont les hommes de Dieu qui changent. Au lieu que eux changent, ce sont les hommes de Dieu qui changent. On en a vu, pour ne pas être là à citer les noms des gens, on en a vu même côtoyer des musiciens mondains et se mettre même à chanter leurs chansons et tout ça là. Tout ça avec une caméra derrière qui est en train de le filmer, quoi. Mais la personne, je sais pas, on s'est dit, est-ce que il a été drogué ou quoi pour agir de la sorte. Thank you.
Mais la personne, je ne sais pas, on s'est dit, est-ce qu'il a été drogué ou quoi pour agir de la sorte? La confusion se pose à quel niveau? Les gens se disent, est-ce qu'il faut devenir ami forcément avec les païens pour pouvoir les gagner? J'ai dit non, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce qu'il faut devenir ami forcément avec les païens pour pouvoir les gagner? J'ai dit non, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce qu'il faut devenir ami forcément avec les païens pour pouvoir les gagner? J'ai dit non, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai dit non, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On en a vu même côtoyer des musiciens mondains et se mettre même à chanter leurs chansons et tout ça là. Mais la personne, je ne sais pas, on s'est dit, est-ce qu'il a été drogué ou quoi pour agir de la sorte? La confusion se pose à quel niveau? Les gens se disent, est-ce qu'il faut devenir ami forcément avec les païens pour pouvoir les gagner? J'ai dit non, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Chaque musicien dans chaque style, c'est ça que je veux vous montrer, a toujours adoré un démon, une sirène, une femme. Et là, c'est une chanson, et ça s'appelle effervescent. Donc, un comprimé effervescent quand vous mettez dans de l'eau, ça boue, ça provoque un remue-ménage dans l'eau, et c'est le titre de cette chanson. Mais il se passe beaucoup de choses, c'est que dans les vieilles chansons de Kofi, il avait déjà chanté le Kachaka plus d'une fois. Et à Kinshasa, d'après ce que les gens racontent, il y a beaucoup de gens pensent que cette Kachaka, c'est une sirène, c'est sa sirène personnelle. Mais quand nous voyons les paroles de cette chanson, on va aussi se rendre compte qu'il ne parle pas d'une femme normale. Il dit, il m'est arrivé quelque chose de grave, de grand. Et c'est quoi cette chose de grand? Et son amour est une mer ou un océan, j'en sais rien. Déjà ça commence à se dessiner. Il dit, mais peu importe qu'il soit la mer ou l'océan, j'en ai rien à faire, moi je veux foncer. Il dit, Kachaka, tu es la mort que je me suis choisi. C'est-à-dire, toi, le démon sirène, je me donne à toi, je me sacrifie à toi. C'est ce qu'il dit dans cette chanson. Alors, écoutez ce blasphème. Il dit, Seigneur, laisse-moi te demander. Tu as fait plein de merveilles. L'éclipse solaire, la lune et le soleil. Encore le soleil. Il dit, Seigneur, tu as fait les forêts, les oiseaux, les animaux, tu as fait les chutes du Niagara. Il cite beaucoup de choses. Il pose une question à Dieu. Et il dit, malgré tout ceci, tu n'étais pas satisfait. Alors tu as créé Kachaka. Alors, ce truc, cette phrase est une vraie abomination parce que la Bible dit dans Genèse 1:31 que Dieu était satisfait de toute sa création. Et donc, Kofi ici vient nous dire que Dieu n'était pas satisfait de la création et il est allé inventer, créer donc cette sirène. Il n'y a pas plus grand blasphème que ça. Et donc toi qui écoutes les chansons de Kofi, tu l'accompagnes, tu l'encourages à blasphémer. Et le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. La conséquence, c'est l'enfer directement. Et donc il faut vraiment faire attention à ce que vous écoutez. Kachaka, mama lobaka soki bolingo ye loko.
pas le bonjour. La mort est arrivée. Toi, Arafat. Je te dis mon amour. Je te dis mon amour. Je te dis mon amour. Efrakata. Na Efrakata. Là, on vous dit, Dieu est grand, l'homme est petit, tout le monde le sait. Les dieux là qu'on cite là, ce n'est pas les dieux créateurs. Même les dieux là qui est cité dans la religion musulmane. Quand ils disent Allahu Akbar, quand on dit ça, Dieu est grand, ce n'est pas les dieux créateurs. C'est un autre. Celui qui a chanté Efrakata. Il s'était marié avec une sirène qui répond au nom de Ekachaka. Lorsqu'il devait livrer son concert dans une salle mythique de France, à l'Olympia de Paris. L'année 1998, j'étais encore sataniste à ce moment-là. Même le jour de mon mariage, quand j'avais fait le mariage avec Hélène dans le monde de ténèbres, la musique qu'on avait mise ce jour-là, mais c'était la musique de cet homme-là. Je vous dis vrai, son vrai nom, c'est Akram. Akram. Ce qui veut dire Antoine Christian Agbe Pamumba. C'est ça son vrai nom. Antoine Christian Agbe Pamumba. C'est ça son vrai nom. Cet homme-là qui a chanté Efrakata, V12, Affaire d'État. Cet homme-là. C'est ça son vrai nom. Un sataniste tout fait. Même celui qui a chanté à laquelle le qui vous s'en pimpa. Amen, amen. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps. Amen, amen. Bon, je termine. Il y aura un jour où je vous parlerai sur ça. Hein, mais je vous donnerai même les titres des albums. Ultimatum, loi, droit de veto. Loi, droit de veto. Tout ça. L'inspiration donnée par Lucifer lui-même. Inspiration à toi quoi, Lucifer au moyen. Même le cantique là de Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Lucifer lui-même. Céline Dion a cette journée peine d'éteindre. Lucifer. Pour mon mariage, on avait la chanson là qu'on avait mise ce jour-là. Dieu en dehors. Était tiré de l'album Magie. Il est moins beau balitiaga balitoshaga moule ganda banita Magie. Le titre c'est Petit à London. Titre y a ni Petit à London. C'est ce qu'on avait mis pour la danse, ce jour-là. Le jour de mon mariage, je vous parlerai même sur mon mariage. Je m'étais marié de l'autre côté. J'avais une femme et deux enfants. Et je vous dis la vérité. Vous voulez que je puisse cacher? Mais si je cache, c'est comme si je suis en train de glorifier Satan. Bon, je vous promets que je vous donnerai d'autres... ceux qui restent, hein, j'ai donnerai tout, donc toutes les explications. Amen. Amen. Sur les différents albums, comment est-ce qu'on a chanté ça. Le dimanche, celui qui travaille, c'est Akiel. À un moment donné, pendant les concerts, il arrêtait, tous les instruments étaient arrêtés, et puis il dit que personne ne bouge. Après, à un moment donné, il disait Sakai, il demandait au public de répondre. Et pendant ce temps, ils sont en train d'évoquer cet esprit. Quand l'esprit entre, va envoûter tout le monde, et à la fin, il devait y avoir un mort ou plusieurs. Amen, Église. Amen. Nous allons maintenant toucher Mopao Mokonzi. Les gens qui connaissent Kofi Olomide depuis longtemps, les gens qui ont mon âge et ceux-là qui me dépassent, il était moche. Vous qui venez de le connaître aujourd'hui, il n'était pas beau. Les gens se moquaient de lui. Il a utilisé toutes les stratégies, mais il n'y avait pas eu de guérison. En raison pour laquelle on l'appelle Tati Wata, parce qu'il avait aussi reçu une sirène. Il avait un album qui s'intitulait Zéro Faute.
Avant de toucher l'album, John Fania Kalianza na ule mami wa taule sirene anamubeba anamweka comment fleurir mon nyumbaki. Avant de faire sortir cet album, c'est là qu'il a fait l'alliance avec cette sirène qu'il a mis dans sa maison. Alors c'est la sirène qui était en train de laver Koffi Olomide jusqu'à ce qu'il est devenu beau. En 1994, Magie. Non, en 1994, il avait un autre album qu'il a intitulé Magie. Là, il n'y a pas des choses qui sont cachées, mais là, c'est quelque chose qui est de réel, Magie. Lauriane Aristote, ce sont ses enfants. Junior, ce n'est pas son enfant. Junior, ni première fille wa ule sirene wake barizala kanai. C'est la première fille qu'il a eue avec sa sirène là-bas. Beaucoup de gens ont aimé cette chanson. Et il a chanté ça pour June, sa fille. L'autre album, c'était Efrakata. Titre ya mwimbo moya hivi ya Ekachaka. Jo paka ule sirene Ekachaka. C'est toujours le nom de la sirene. Banamuke banafurahiwaka. C'est pourquoi banamuke banapendaka Koffi. Banonaka sa vile kona tapa. C'est comme ça que beaucoup de femmes aiment les chansons de Koffi, parce qu'il est en train de faire des éloges aux femmes. Il ne fait pas ça aux femmes que vous voyez. C'est par rapport à la sirène qu'il avait aidé à devenir beau. Celui qui aime Koffi, automatiquement, il devient ennemi de Jésus. C'est ce que moi je dis. Je vais te donner des preuves. Koffi Olomide, njo munyari leta kanisa ya necromancie pa dunia. C'est lui qui a amené l'église de necromancie dans notre pays. C'est-à-dire que tu dois faire des rapports sexuels avec quelqu'un qui est déjà mort. Il y a beaucoup de gens dans cette église. Mission, la mission qui lui a été confiée, c'est faire tomber les serviteurs de Dieu. La mission qui lui a été confiée, c'est faire tomber les serviteurs de Dieu. La mission qui lui a été confiée, c'est faire tomber les serviteurs de Dieu. La mission qui lui a été confiée, c'est faire tomber les serviteurs de Dieu. Lui-même, Koffi Olomide, il a parlé du 13e apôtre. Je voulais dire, est-ce qu'il n'est pas cet apôtre-là que le Seigneur est en train d'appeler? Est-ce qu'il n'est pas cet apôtre-là que le Seigneur est en train d'appeler? Est-ce qu'il n'est pas cet apôtre-là que le Seigneur est en train d'appeler? La mission qui lui a été confiée, c'est faire tomber les serviteurs de Dieu. C'est un antichrist vraiment puissant. Il a injurié les hommes de Dieu. Celui qui aime sa musique, je l'évite beaucoup. Vous savez les choses qui sont en train de planifier. Il est en train de dire que tous les musiciens chrétiens vont lui appartenir. Il est en train de dire que tous les musiciens chrétiens vont lui appartenir. Il est en train de dire que tous les musiciens chrétiens vont lui appartenir. Il est en train de dire que tous les musiciens chrétiens vont lui appartenir. Le premier musicien qu'il est en train d'envisager, Mike Kalambai. Il est en train de voir Mike Kalambai en disant qu'il sera mon musicien. Vous savez qu'il a déjà vu Mike Kalambai. Il était en train de lui donner des éloges par rapport à Bonganga. En lui disant que si tu viens chez Quartier Latin, tu vas encore évoluer davantage. Il est en train encore de viser la sœur Lor Mbongo. En tout cas, je vais la déshabiller. Peut-être toi tu as cru à cause de la chanson de Lor Mbongo. Et tu sens qu'il y a une autre personne qui veut l'attirer pour qu'elle soit de son côté. Tu deviens fanatique de cet homme. Automatiquement, tu deviens l'ennemi de Dieu. Parce que c'est un antichrist. Il fait beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Combien de fois on le voit à la morgue? Il n'a même pas. Avant de faire sortir l'album Magie, il avait pris le corps de quelqu'un qui était dans cette morgue là-bas.
après que tembea na na mutosha na meno. Il a même enlevé les dents après avoir fait les rapports sexuels avec ce corps là-bas. Il est moins bourré qu'avant comme succès ça. Il y avait eu beaucoup de succès par rapport à cette chanson. Dieu a ni ma pratique yote occulte à Riwezaka. Parce qu'il avait réussi toutes les pratiques occultes qu'on lui avait demandé. Na tatouage yote inegalaka na ba musicien ba ki inegalaka ya kutokia paka mu ile secte yabo necromancie. Les tatouages qu'ont les musiciens qui sont au quartier latin, ce sont des tatouages qui viennent de son secte là-bas, des Kromancies. J'étais en train de témoigner dans une église à Kinshasa chez ma campagne. Je ne les citais pas. J'utilisais sans parabole. Dans le monde Armstrong, il occupe aussi une place où il est très élevé et d'autres chefs de ce monde vont l'adorer là-bas. C'est pourquoi mon nom est orgueilleux. C'est comme ça qu'il est orgueilleux. C'est comme ça qu'il est orgueilleux. C'est comme ça qu'il est orgueilleux. These were the scenes at JKIA's International Arrival Section. A bitter exchange between renowned Rumba singer Koffi Olomide's co-singer Cindy Lekoa and one of his dancers degenerated into a physical fight with Olomide joining the fray. Security officials had to quickly intervene. Olomide, whose official name is Antoine Christophe Agbepa Mumba, is in Kenya to promote his latest album and is set to grace the stage tomorrow night at the Bomas of Kenya. C'est quelqu'un qui aime mettre des gens dans des difficultés. Même devant sa maison, il y a ces symboles kabbalistiques. Le Seigneur soit loué. Nous entrons maintenant dans la génération Wenge. L'orchestre avait commencé en 1982. L'orchestre avait commencé en 1982. En écoutant cette phrase de Moïse Mbillier, certains entendent Jésus, et d'autres entendent Gégé. Finalement, c'est Gégé, ou Jésus? Analysons tout ceci, à la lumière de la parole de Dieu. Tout d'abord, tout chrétien honnête qui a un minimum de connaissance des signes sataniques, est bien obligé de reconnaître que les clips de Moïse Mbillier contiennent réellement des signes sataniques, qu'on retrouve aussi dans les chansons du monde. Que ce soit dans ses anciennes chansons, comme ici, ou bien dans les nouvelles chansons. Voici quelques signes sataniques de la chanson Los Ambo. Los Ambo, nangai kolo, yanolae. Kolela, nangai yawe, oyokae. Nazako senga ngai, loboko na yo, zala nangai. Balinitu nangai. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît, Ésaïe 29 verset 15. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, il produit à la lumière l'ombre de la mort. Job 12 verset 22. Dieu est en train d'exposer les œuvres de ses faux pasteurs, afin que son peuple soit édifié, et qu'il sorte de ses fausses églises.
Si cette déesse Bégué existe réellement, d'autres musiciens l'ont sûrement déjà cité. Chez Koffi Olomide et Marimi Samou, le nom Gégé est clairement prononcé. Pourquoi ce n'est pas clair chez Moïse Ndiaye? Il existe plusieurs méthodes pour cacher une information dans un média. Le backmasking consiste à prononcer une phrase de manière à ce que quand on lit la même phrase à l'envers, elle donne un message différent que l'on veut faire passer par tromperie. Prenons un exemple concret. Vous vous souvenez de la célèbre phrase de Barack Obama au moment de son élection? Yes we can. Yes we can. Yes you say. Yes you say. Yes you say. Yes you say. Nous comprenons ici que ces satanistes s'arrangent à prononcer certaines phrases, de manière à faire ressortir autre chose de totalement différent. Moïse Ndiaye prononce le nom de Jésus, de manière à faire ressortir le nom de son Dieu, Gégé. On peut donc comprendre ceci. Certains disent, moi j'écoute juste la chanson. Je n'ai rien fait de mal. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas, salut. Car celui qui lui dit, salut, participe à ses mauvaises œuvres. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5 verset 11. En choisissant de continuer à écouter les chants de Moïse Ndiaye, vous adorez une divinité autre que Jésus-Christ. Jean 8, verset 32. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.